que nous sommes venus dans une mission d'évaluation. Et cette mission d'évaluation, sans oublier qu'il y a 4 mois, nous étions ici en Bougimal. Alors nous voulons nous rendre compte par rapport à ce que nous avons laissé il y a 4 mois. Et maintenant, quelle est l'évolution des travaux? Et pour ce, nous avons eu à voir 4 projets. Le premier projet, c'est les 35 km. Le deuxième projet, c'est le projet Tilé-Gelou. Et le troisième projet, c'est le projet de 14 km. Et le quatrième projet, c'est le projet de lutte anti-érosion. Alors, je vais regrouper les projets qui sont en train d'être exécutés par l'entreprise Safribex. Je commencerai par 35 km. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits. Après avoir fait le tour sur les 35 km, je peux vous assurer qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 90% d'exécution des travaux, avec asphaltage, plus l'éclairage. Sur beaucoup des axes, je citerai l'avenue Kassavubu, l'avenue Tatoukaninda, où on a vu qu'on est en train de faire maintenant de poser l'éclairage. Vous avez l'avenue Salongo, vous avez l'avenue Bodine 4, assemblée provinciale. Nous sommes allés voir, bien que ce n'est pas encore terminé, parce que dans le projet, à son temps, sur l'avenue Moukamba, comme sur l'avenue Université, comme Kakangai, qu'on vient de visiter tout à l'heure, il était prévu dans le projet que ces routes allaient rester en terre. Mais aujourd'hui, nous avons vu que l'entreprise a fait déjà un grand travail. Si je prends sur l'avenue Université, et enfin, Lukelenge Université, pour le moment, c'est Docteur Etienne, ils ont déjà fait plus ou moins 1 km qui est déjà en couche de base. Ils n'attendent que les enrobés. Alors, il y a un souci qui se présente sur ce dossier et sur cet axe. C'est qu'il y a 14 km qui va arriver, qui sortirait sur l'avenue Séminaire et qui va toucher l'avenue Université. Là, c'est toujours avec Safrimex. Avec Safrimex, c'est parce que jusque-là, je parle de projets qui sont, okay, qui sont en train d'être exécutés par Safrimex. Voilà. Nous avons estimé qu'au arrêté le projet à 1 km, de même jusqu'au niveau où il y a jonction avec l'avenue Séminaire. Et pour la partie restante, nous allons voir, bien que c'est en terre, mais nous estimons que laisser ces projets en terre, avec les prix qui vont revenir, on risque de perdre complètement tout ce qui vient d'être fait. Il arrive de même de l'avenue Moukamba. L'avenue Moukamba, il était prévu de faire une route en terre. Parce que l'avenue Moukamba, quand vous allez avec ça, vous allez de Mama Yemo jusqu'à arriver à l'hôpital de la Mouya. Mais nous estimons qu'il y avait deux grandes érosions au niveau de l'avenue de la Mouya, plus sur l'avenue Moukamba, que l'entreprise vient d'absorber, qui n'était pas au départ dans les projets. Mais l'entreprise a eu à absorber cette érosion. Aujourd'hui, on peut rouler sur l'avenue Moukamba. Elle est en terre, elle est au niveau de la couche de base. Mais nous pensons d'ici là, on va commencer à pouvoir asphalter cette avenue. Il en est de même le 2 km de l'avenue Université au Docteur Etienne pour arriver sur l'avenue Séminaire. Et nous allons voir peut-être pour arriver jusque d'Aipec, nous allons voir les 3 km 200 qui restent, qu'est-ce que nous pouvons faire avec une variante qui a été demandée par le gouverneur, c'est d'aller vers la rivière Mouya. Ça, c'est d'autres choses que nous allons voir. Maintenant, du côté Kangai, là aussi, au départ, le projet était de pouvoir faire une route en terre. Mais aujourd'hui, nous remarquons, parce que nous avons un autre projet, c'est la vie bien, mais avec JMC, qui va tomber sur Kangai. Et nous pensons qu'on ne peut pas laisser, on sort avec l'asphaltage et nous sortons sur une route qui est en terre. Et c'est comme ça, sur les 2 km, nous pensons, l'entreprise a déjà fait les assainissements et en même temps, il a absorbé 2 érosions. Il reste la troisième qui va être absorbée. Ce sont des travaux qui n'étaient pas au départ prévus, mais qui ont été faits parce qu'on ne pouvait pas passer sur ces tronçons et ne pas traiter les 3 érosions. 2 érosions sur Kangai, 2 érosions
sur une érosion sur lac Moukamba et puis une autre érosion sur l'avenue de la Mouille, là où se trouve l'hôpital de la Mouille. À la date d'aujourd'hui, comme j'ai dit, on est à 90%. Nous avons au moins 32 km qui sont complètement terminés et asphaltés. Et là où il y a l'éclairage, c'est en train de se faire progressivement. Je l'ai dit tout à l'heure que l'entreprise a déjà exécuté les travaux à au moins 90% des travaux qui sont déjà exécutés. Ici, nous sommes sur module 4, ça fait à peu près 2,5 km qui est déjà asphalté. Vous avez la Sambre provinciale, vous avez l'avenue Kassavubu, je l'ai dit, c'est 6 km. Tatoukaninda, ça fait 4 km. Il y a un bout de 300 mètres qui reste sur Tatoukaninda, qui attendent quand on va faire l'érosion. Je vais parler de ça tout à l'heure quand je parlais de l'érosion Mbala-Kitolo. Donc nous pouvons nous estimer très heureux que d'ici, et je vais souligner un élément important, le projet de 35 km était pour 36 mois. Aujourd'hui, parce que nous avons lancé ces travaux le 5 juillet, nous avons 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, plus 2 mois encore, disons 1 mois, nous sommes à 25 mois. C'est un projet qui va se terminer avant les délais prévus. Un coup de chapeau à l'entreprise. Il y a deux façons de pouvoir vérifier la qualité des travaux. La première, c'est la mission de contrôle. Parce que l'OVD ne travaille pas seul. Nous sommes le maître d'ouvrage, mais nous avons la mission de contrôle qui suit ces travaux. Ça, c'est une manière, c'est-à-dire ça, c'est les aspects quantitatifs et les aspects financiers qui sont pris en compte par la mission de contrôle. Maintenant, les aspects techniques sont pris en compte par qui ? Par les laboratoires. C'est les laboratoires qui certifient les travaux. Donc, en amont, avant de pouvoir faire un projet, il y a ce que nous appelons les études. Je tiens à souligner les 35 km, comme tous les projets qui sont en train de se faire dans la ville de Boujimaï, les études ont été réalisées par l'OVD. L'OVD a une expertise en termes des études qui était prouvée. Alors, quand on fait les travaux, à chaque étape, je prends une route à trois couches. J'ai la couche de fondation, j'ai la couche de base, j'ai la couche de roulement. Chaque couche, il y a un agrément, une certification de laboratoire qui dit « Ok, il y a les normes » parce que nous avons ce qu'on appelle les cahiers de spécifications techniques. Il y a les normes qui sont définies. Et quand on fait les essais, on regarde si on est conforme aux normes. Si on est dans les normes, alors, quelqu'un de Visy, lui, il vient vous dire « Non, les travaux sont de mauvaise qualité. Nous sommes à l'aise parce que ceux qui peuvent venir contrôler, nous pouvons leur opposer les essais de laboratoire qui confirment la qualité des travaux. » Je crois que vous avez vu ce matin, on a dû faire un exercice, c'est sur le projet Tulejelou, et sur l'avenue Lusambo, hein, l'avenue Fati. Nous avons prélevé la température, nous avons vérifié l'épaisseur, les enrobés, parce que les gens disent qu'on fait 3 cm. Mais nous avons vu que c'est faux. Les matériaux qui sont utilisés, les sables, les bétons, les concassés, ils subissent les essais au laboratoire. Là, avant de pouvoir fabriquer les enrobés, il y a ce que nous appelons la formulation de l'enrobé. La formule de l'enrobé. Le laboratoire passe et il définit la formulation. Et quand nous exécutons maintenant, nous posons les enrobés, nous les prenons, nous les vérifions en rapport avec la formulation qui a été faite. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut vérifier. Et si ces choses sont vérifiées et que c'est bon, toi de Visy, tu viens venir dire que les travaux sont de mauvaise qualité, c'est l'ignorance. S'il vous plaît, nous sommes sûrs, faisons les travaux. Nous avons dans cette ville une route qui avait été déjà faite sur LDK, 1 km, en 2012. Jusqu'à aujourd'hui, la 1 km tient. Ça a été fait sous la supervision de l'OVD avec ses gestionnaires. Là, les gens ne disent pas que les travaux sont de mauvaise qualité. Ça fait plus de 12 ans qu'on a ça. Nous sommes très à l'aise sur l'aspect qualitatif des travaux. Et nous savons, avec les partenaires, avec les missions de contrôle, avec nous-mêmes, l'OVD, que nous assurons à ce que ces travaux se passent correctement. Et nous sommes à l'aise. Et quiconque, nous mettons quiconque au défi de venir nous prouver que les qualités sont de mauvaise qualité.
que le projet Tchilé-Gelou dans les Kassai orientales et plus particulièrement dans la ville de Mbujimayi est effectif. Est effectif pourquoi? C'est qu'il sort de l'aéroport. Parce que quand Crexet a travaillé, il s'était limité jusqu'au camp. 1 km en passant sur Gloria. Aujourd'hui, vous avez la partie camp aéroport qui a été fait par l'entreprise Safrimex, c'est Tchilé-Gelou. Aujourd'hui, Safrimex est en train de poser les enrobés sur la partie de Lusambo, à partir de Bozola jusqu'à Bakwadian. Ce matin, nous étions là, vous avez vu, on a posé les enrobés. Mais nous avons l'avenir de l'école, à partir de la RN1, et pour ressortir sur l'avenue Kalenda-Boudi. Vous trouverez les assainissements sont déjà faits et l'entreprise va démarrer maintenant le travaux sur la couche de fondation. Vous avez aussi, ce matin, nous avons été ensemble avec vous sur l'avenue Odia, David. L'entreprise a repris ses travaux, c'est Tchilé-Gelou. Et aujourd'hui, l'entreprise est en train de travailler sur cette tronçon. Nous avons l'avenue Cathédrale sur laquelle l'entreprise a déjà la couche de base sur une partie de l'avenue. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, Tchilé-Gelou, dans la ville de Mbujimayi, est opérationnel. Tchilé-Gelou est effectif. Et nous pensons, si nous travaillons très bien, au mois de décembre, les 25 km étaient de Tchilé-Gelou sera complètement terminé. Ajouté aux enceintes, nous aurons 60 km de voirie dans la ville de Mbujimayi. C'est une première avec Fatibeko. Parce que ça fait plus de 32 ans, il n'y avait rien dans la ville de Mbujimayi. Si nous remontons il y a 2 ans, quand on venait ici, c'est comme s'il y avait une bombe qui était tombée. Mais aujourd'hui, je crois que vous avez pu faire circuler votre micro-baladaire, c'est que la population parle des travaux qui sont en train d'être faits sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi, dans sa vision, le peuple d'abord. Aujourd'hui, nous pouvons parler que Mbujimayi est en train d'être transformé par cette vision du chef de l'État. Donc, nous pouvons dire, d'ici décembre, nous pourrons avoir les travaux de Tchilé-Gelou complètement terminés dans la ville de Mbujimayi, c'est-à-dire les 25 km qui ont été prévus. Vous savez, pour exécuter les travaux d'asphaltage, en amont, vous devez disposer d'un certain nombre de matériel. Et aujourd'hui, l'entreprise Safrimex a pu implanter une centrale d'enrobé. Ce qui est un élément important qui permet, nous avions visité ensemble avec vous, cette centrale d'enrobé. Vous avez vu les matériaux qui sont stockés et les bitumes qui sont stockés. Cela permet de rassurer, que ce soit pour le projet 35 km qui est presque à la fin, que ce soit pour le projet Tchilé-Gelou qui a été repris par Safrimex. Avec l'implantation de la centrale enrobée, nous pouvons être sûrs que ces travaux, c'est comme ça, je vous dis avec aisance, que ces travaux vont se terminer de Tchilé-Gelou d'ici décembre. Nous pourrons avoir 25 km. Parce qu'en amont, l'entreprise s'est équipée. Pas seulement sur le plan de la centrale agricole, même en équipement en termes des engins. Hein, ils ont un certain nombre de bennes ici. Vous avez au moins 2 ateliers pour poser les enrobés, donc c'est-à-dire les finisseuses qui sont ici. C'est vous dire que l'entreprise s'est préparée en fonction des travaux, du volume des travaux qui est ici. Et ça, ça nous rassure que les projets qui sont en train d'être faits ici pourront se terminer dans les délais impartis. Je venais de vous dire, au lieu de 36 mois, je crois que l'entreprise terminera les travaux à ce qui concerne les 35 km avant 36 mois. Peut-être nous ferons tout au plus 30 mois ou 28 mois, nous aurons terminé complètement tous les travaux de 35 km. Et dans 6 mois, je suis sûr, avec le rythme des travaux qui est en train d'imprimer, le rendement et la production, nous pouvons être sûrs qu'en 6 mois, nous pouvons avoir le projet de Tchilé-Gelou, les 25 km complètement terminés, et nous aurons 60 km dans la ville de Mbujimayi qui seront terminés. Coup de chapeau au président de la République. Je voudrais parler de la lutte anti-érosive, parce que je n'ai pas parlé de ça, qui est en train d'être réalisé par Safrimex. Parce qu'il faut souligner aussi un élément important. Aujourd'hui, que ce soit 35 km, que ce soit les réseaux en balade, dont je vais parler tout à l'heure,
que ce soit Tibé-Gélou, il faut reconnaître qu'il y a un effort important de la part de l'entreprise qui préfinance les travaux. Certes, il est vrai qu'au final, c'est le gouvernement qui va payer par le mécanisme de remboursement qui est mis en place. Donc ça, c'est aussi un élément important qu'il faudrait souligner. C'est un partenaire qui nous accompagne dans ce que nous sommes en train de faire. C'est un partenaire qui est disponible pour pouvoir accompagner la vision du chef de l'État. Donc, je vais parler aussi de l'érosion maladivante. Ceux qui habitent la ville de Mbujimayi connaissent très bien cette érosion qui date du temps de Mobutu. Ça fait plus de 32 ans, bien 40 ans que cette érosion existe. Aujourd'hui, cette érosion est en train de disparaître. Nous avions été avec vous là, Mbala Chitolo, vous avez vu des ouvrages importants qui sont en train d'ériger. Parce qu'aujourd'hui, on va relier le rond-point Kalalawankata avec Tatukanini, en sortant vers le rond-point Chombela. Et vous avez vu avec moi que des grands ouvrages sont en train d'être érigés, il y a des grands collecteurs qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, d'une part et d'autre, vous avez d'un côté où le collecteur est au niveau de presque Kalalawankata, mais par contre, de notre côté, il nous reste à peu près 300 mètres. Parce que l'entreprise est en train d'opérer sur les remblais qu'il est en train de faire pour le moment, pour pouvoir terminer avant que les pluies reviennent. Et nous avons donné des instructions précises pour que ces remblais se fassent très rapidement, de façon à pouvoir faire la jonction, les 300 mètres de crédit qui restent. Et à ce moment-là, nous aurons déjà la plateforme de la route qui va se dessiner. Et je vous ai dit qu'à ce qui concerne ces travaux-là, nous sommes au moins à 40% qui sont déjà exécutés. Et là, l'entreprise aussi n'a pas encore reçu un dollar de la part du gouvernement. C'est en préfinancement. Et nous sommes très contents de l'évolution de ces travaux. Il y a 4 mois, j'étais ici. Et quand je regarde aujourd'hui là où nous sommes, un coup de chapeau aussi à l'entreprise. Mais il n'y a pas que pour la lutte anti-érosive, nous n'avons pas que Mbala Chitolo. Nous avons Mulamba Poi. Aujourd'hui, c'est avec des raisons que je parle de Mulamba Poi parce que nous avions fait déjà un grand effort de Mulamba Poi où on avait maîtrisé pratiquement l'érosion. Les remblais étaient faits et il y a la circulation avait déjà repris. Mais malheureusement, par manque de financement, ça fait une année l'entreprise a arrêté les travaux. Malheureusement, il y a une partie des remblais qui est partie. À peu près 60 mètres du collecteur est parti. Ça nous fait très mal, mais nous continuons le plaidoirie auprès des autorités pour que ces projets puissent connaître son achèvement. À côté de Mulamba Poi, vous avez l'érosion Tubombe, qui est à côté aussi, pour lequel nous sommes en train de faire une plaidoirie pour la prise en charge. Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi Tchalamwana, sur lequel nous pensons qu'il faut mettre un accent parce que ça permettrait d'ouvrir la route vers jusqu'au collège. Donc ce sont des travaux de lutte pour lesquels nous sommes en train de faire une plaidoirie auprès des autorités pour la prise en compte de ces voiries, de façon à ce que nous puissions faire disparaître un certain nombre. Mais je peux féliciter aussi la direction provinciale de l'OVD avec le financement qu'on a, qui a dit absorber un certain nombre de érosions. J'ai cité l'érosion Bobo, l'érosion Kassaboubou, Hollandais, Mbuy Moulomba, et tout dernièrement c'est Loubilanchi, vous avez Belé, les collecteurs Kalonji. Ça, ce sont des travaux que nous avons exécutés sous financement FONER. Coup de chapeau aussi à la direction provinciale qui a fait un travail de titan. Mais nous pensons que le grand problème, c'est ce que j'appelle toujours la question financière, qui est une convergence. Parce que s'il manque cette convergence, il est difficile de pouvoir projeter et faire des travaux. Dans la ville de Mbutu, si j'ajoute 14, je vais parler de ça, j'ajoute les 14 km avec JMC, j'aurai au moins 74. Donc j'ai un tiers. C'est vous dire que ce n'est pas suffisant. Il faut projeter d'autres. Il y a un projet qui est en gestation de plus ou moins 50 km qui est en gestation. On en a parlé avec le gouverneur. Mais le grand problème, c'est la recherche de financement. Nous sommes en train de préparer les éléments techniques qui vont permettre à ce que tu puisses prendre en charge. Mais comme je l'ai dit, il faut une planification physique, il faut une planification financière pour prendre en charge. Nous ne voulons pas seulement la ville de Mbujimayi, mais à travers toute la République, parce que l'OVD est dans 26 provinces, nous voulons que toutes les provinces ressemblent à Mbujimayi en termes de voirie.
Parce que quand je prends par exemple là-bas où j'ai 488 km de voirie qui sont déjà faits, je prends la ville de Lubumbashi où j'ai à peu près 180 km. Mais pourquoi pas Mbujimayi, pourquoi pas Isiro, pourquoi pas. Je dirais ceci à la population de Mbujimayi, de croire à la vision du chef de l'État. Le chef d'État veut changer ce pays à travers les infrastructures. Et nous voyons déjà en Mbujimayi que c'est une réalité. Nous, nous savons parce que nous avions l'habitude de venir à Mbujimayi, ce n'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, il y a un changement qui est fait parce qu'il y a quelqu'un qui a une vision, il y a quelqu'un qui a affiché une forte volonté politique qui est le chef de l'État. Et nous, qui sommes des acteurs importants dans ces programmes de développement des infrastructures, l'OVD, qui a une expertise éprouvée, accompagne le chef de l'État à travers les différents partenaires avec qui nous travaillons. C'est là où nous demandons à la population de nous appuyer. La population doit s'approprier les projets, parce que c'est pour eux qu'on est en train de faire ça. Nous acceptons le contrôle citoyen de la population. Quand quelque chose qui ne va pas, il faut nous signaler. Mais nous demandons aussi à cette population de préserver ses ouvrages, notamment les caniveaux. Il ne faut pas jeter les immondices dans les caniveaux. Je sais qu'en Mbujimayi, chaque fois qu'il y avait des dégâts humains et matériels. Aujourd'hui, avec tous les systèmes de drainage qui est fait en Mbujimayi, nous pensons même quand il pleut, on n'a plus le même dégât qu'on avait avant. Donc c'est là où nous demandons à la population de nous appuyer, d'appuyer le président de la République dans ce qu'il est en train de faire. Et ensemble avec la population, nous pourrons changer ce pays.